Salut! Mon client préféré est venu me voir. Il a une idée et un évier. Et il veut un meuble sous évier. Alors je vais faire ça tout en mélèze et avec un dessus en valchromate, le valchromate vert que vous voyez tout là-bas au fond. Allez, en avant! Alors une des principales difficultés, ça va être de construire le meuble autour de l'évier. Et l'évier, il n'est pas carré-carré, il y a des faux angles, il y a des fosses verticales, ça va être un petit peu compliqué. Donc je vais essayer de mesurer la taille de l'évier. Je vais faire ça par rapport à l'établi.
va pas le remplacer, mais ça va me permettre de finir le meuble quand même. Enfin bon, je suis bon pour 150 ou 200 euros. C'est bien, j'ai gagné ma matinée là. Allez! Oui, vous m'avez vu venir, mais tant que j'ai pas trouvé mieux que le Rubio sur le Valchromat et puis sur les autres éléments d'ailleurs, moi je continue avec du Rubio. Allez, en avant! Alors, comme c'est un plan de travail et qu'il va y avoir des projections d'eau, il y a l'évier là, hein, je vais le protéger avec du métallisant universel. Alors, ça s'applique sur ce Rubio, ça peut aussi s'appliquer sur n'importe quel plan de travail huilé. Ça donne un petit coup d'étanchéité à votre plan de travail et normalement, ça le protège à 100% contre les pénétrations de flotte. Alors, mode d'emploi, c'est pareil que pour le Rubio. Quelques gouttes et on étale, on essuie le surplus. Et normalement, c'est sec en quelques heures et c'est sec à cœur au bout d'une semaine. Bon, t'en fais pas, Pierre. Je t'ai pété ton évier, mais je vais aller en chercher un autre. Voilà, c'est fini pour la structure, le plan de travail et tout ça. Le prochain film, on va faire des tiroirs là-dessous, deux portes là, et là, il y aura un tiroir avec un range-bouteille. Donc, ce sera le sujet du prochain film. Alors, restez connectés et à très bientôt pour la suite des opérations. Allez, ciao, bonsoir.